les États-Unis se permettent de nous traiter un peu comme une province inféodée. Je vous rappelle l'espionnage de nos trois derniers présidents révélés dans WikiLeaks en 2015, le fait que les Américains se permettent de régenter nos exportations, notamment l'interdiction de vendre à la Russie et porte-hélicoptères BPC Mistral, quelques exemples. Les sanctions extraterritoriales américaines, par exemple, sur BNP Paribas à hauteur de 9 milliards de dollars. Voilà, des choses comme ça qui nous font réfléchir. Et je vous renvoie, pour ceux que ça intéresse, à l'article qu'avait écrit en 2013 Régis Debray, intitulé très simplement « La France doit quitter l'OTAN », disant que nous parlons de commandement intégré quand c'est le leader qui intègre les autres. L'intégration n'a rien de réciproque. Les États-Unis sont en droit d'espionner, de soudoyer, d'intercepter leurs alliés qui, eux, se l'interdisent, voilà, etc. Explication donc, à laquelle je vous renvoie. Et voilà le questionnement qu'on a pu se poser. Et pour ça, nous recevons ce soir donc, Jean de Guignasti, à ma droite, donc ambassadeur de France en Russie de 2009 à 2016. À sa droite, Adrien Dessuin, auteur de La France atlantiste, et enfin Caroline Galactéros, donc géopolitologue, présidente du think tank Géopragma, sous l'acclamation des sonneries, et auteur du récent Vers un nouveau Yalta, que vous pouvez trouver à l'entrée. Donc voilà, sans plus attendre, je vais passer la parole à monsieur l'ambassadeur Jean de Guignasti, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Merci pour cette présentation. Bonsoir. Pardonnez-moi pour l'interruption. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Je ne suis pas très habile avec ce genre de trucs. J'espère l'avoir débranché. Donc, en fait, il m'a été donné, comme je parle en premier, de poser quelques bases historiques un peu, raisons pour lesquelles se pose cette question, parce que c'est une vraie question, puisqu'elle est posée même, implicitement au moins, par le président de la République. Il faut comprendre qu'il y a l'OTAN avant la chute de l'URSS et l'OTAN après. L'OTAN avant, il avait une justification, bien entendu. Beaucoup d'États, pas forcément la France, puisque nous avions une force de frappe indépendante, alors que celle de l'Angleterre ne l'était pas. Mais pour les autres pays, l'OTAN était indispensable. L'OTAN était une alliance constituée pour dissuader, en quelque sorte, l'Union soviétique, s'il en avait eu la tentation, et elle l'a eu, on le sait, d'imposer son système au reste de l'Europe. Et parmi les atlantistes français à l'époque, il y avait des gens qui raisonnaient comme nous raisonnons, vous et nous, c'est-à-dire en termes d'équilibre, de sauvegarde des intérêts du pays, et qui considérait, j'allais dire loyalement, que peut-être que la participation à l'OTAN était le meilleur système de défense pour défendre les intérêts de la France. Là, nous sommes avant la chute de l'URSS. À partir de la chute de l'URSS, l'existence de l'OTAN est fondée sur une double, j'allais dire, il n'y a pas de journaliste ici, j'espère, mais une double escroquerie intellectuelle. Une escroquerie intellectuelle sur... première, qui est majeure, qui est fondamentale, c'est que le Gorbatchev a dissous le pacte de Varsovie en 91, qui était une espèce de système miroir par rapport à l'OTAN, et qu'ensuite tout le monde savait que la sécurité de l'Europe, elle ne pouvait se construire qu'en accord avec la Russie, désormais. Et c'est ce qu'a essayé de faire le président Mitterrand, avec son projet de confédération européenne qui avait été proposé début 90 en liaison avec Gorbatchev. Et ce projet a été évidemment contrebattu, parfois violemment, par les États-Unis et par un certain nombre d'anciens États du bloc soviétique qui, eux, considéraient que, enfin, ils avaient encore en mémoire, peut-être, ils avaient quelques excuses, si je puis dire, ils avaient en mémoire la période de présence soviétique chez eux, et donc pour eux l'OTAN c'était important. Et de fait, en 91, s'est posé le choix du cadre de la sécurité européenne. Et ce, malheureusement pour l'histoire, et je vais vous citer la façon dont ça s'est passé, il y a un livre très intéressant qui a été
qui s'appelle, je l'ai noté parce que j'oublie toujours, qui s'appelle les états de la négociation, quelque chose comme ça, où Gabriel Robin, qui a été directeur politique et qui était dans le secret de la négociation, ça s'appelle. Et Gabriel Robin, qui était à l'époque ambassadeur en 87 à l'OTAN, raconte que pour lui, c'était évident, il a commencé à débrancher l'OTAN à l'intérieur de l'OTAN. Il était ambassadeur de l'OTAN. Et c'était tellement évident pour tout le monde que même les ambassadeurs anglais et américains étaient d'accord pour réduire d'un cran, mettre fin à un certain nombre de systèmes. On commençait à envisager de faire de l'OTAN une alliance un peu différente. Il a demandé, il avait quasiment l'accord de ses collègues, il a demandé des instructions à Paris, il ne les a pas eues. Il ne les a pas eus et donc il a été obligé de renoncer. Il raconte ça très bien. Je vous recommande, c'est un petit opuscule. C'est très intéressant parce que ce sont des événements très importants de l'histoire qui passent totalement inaperçus au moment où ils se déroulent. Donc, à défaut de dissoudre l'OTAN, de lui donner une fonction différente, comme notre ambassadeur en France l'avait souhaité, Mitterrand avait essayé de faire cette confédération européenne, et ce qui s'est finalement terminé par la conférence de Paris. Conférence de Paris, donc on est en 91, et cette conférence de Paris, elle a avorté de quoi ? Elle a avorté d'une charte de Paris absolument pas contraignante, où on dit, on se félicite que le communisme ait pris fin, que la Russie ne soit plus impérialiste, on s'est embrassé, etc. Mais il n'y avait rien. Le seul élément concret, c'est que on allait transformer la conférence sur la sécurité et la coopération européenne en OSCE, c'est-à-dire Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe, mais celle-ci n'avait qu'un rôle parfaitement résiduel dans la construction, dans la sécurité européenne. Donc en fait, c'est un échec diplomatique de Gorbatchev et de Mitterrand face à l'Europe nouvelle. Et deuxième escroquerie intellectuelle, c'est que Gorbatchev avait cru obtenir de chacun de ses interlocuteurs que l'OTAN au moins ne se s'étendrait pas, parce qu'il était lucide, il savait que les Hongrois, les Roumains, les Tchèques, etc., n'avaient pas forcément gardé un très bon souvenir de la période soviétique, et que s'ils rentraient dans l'Union européenne, ça, ils pouvaient pas l'empêcher, mais en tout cas dans l'OTAN, ils allaient donner à l'OTAN un accent anti-russe. Il a cru l'obtenir, il ne l'a pas eu, il ne l'a pas fait d'ailleurs écrire par un traité, c'est le résultat, maintenant les archives sont ouvertes, on sait très bien que ça a été dit par Becker, ça a été dit par Bush, ça a été dit par Mitterrand, ça a été dit par Madame Thatcher, tous ceux qui prétendent le contraire ne sont pas fondés à le dire, mais du coup évidemment l'OTAN s'est étendu aux frontières de la Russie, qui a été considéré très rapidement par un acte hostile. Donc dans son existence même, après 90, l'OTAN a été un facteur de tension. Alors quand on regarde ensuite le déroulé des choses, c'est clair que l'OTAN ne contribue plus ni à la sécurité de l'Europe, au contraire d'ailleurs, ni à la sécurité de l'Europe face aux Russes, ou face à ce mot « face » d'ailleurs ne correspond plus vraiment à la réalité, puisque quand on regarde ce qu'est la Russie actuellement, c'est le PIB de l'Espagne, c'est un budget militaire qui est inférieur à celui de la France, c'est d'après les chiffres du CIPRI à Stockholm, c'est une idéologie qui n'est pas l'idéologie conquérante qui était l'idéologie de l'URSS à l'époque, c'est une idéologie qu'on pourrait qualifier de conservatrice, mais en disant chacun vit son propre destin, sa propre civilisation, et arrêter d'embêter les autres, en gros c'est ça, c'est tout à fait légitime, mais c'est un peu, c'est différent du raz-de-marée, l'espoir communiste, etc. C'est plus une idéologie offensive, c'est pas du tout ça, c'est même plutôt défensif. Donc, quand on regarde toutes les données, penser que la Russie va envahir l'Europe représente une menace, c'est une plaisanterie, et c'est une plaisanterie qui est d'ailleurs dangereuse, parce qu'elle entretient les tensions, et c'est une plaisanterie dont l'OTAN a besoin pour justifier sa propre existence, parce que sans ça, il ne servirait à rien. Donc il y a cet élément-là, et quand on regarde effectivement le déroulé des événements, on voit que l'action de l'OTAN a été globalement plutôt nuisible pour la sécurité européenne. Je peux énumérer des dizaines d'exemples, mais le temps, je n'ai qu'un quart d'heure, je ne voudrais pas abuser, mais prenez l'exemple, par exemple, des forces nucléaires intermédiaires.
Il est clair que les forces nucléaires intermédiaires ont été un des éléments essentiels de la sécurité en Europe, c'est-à-dire l'interdiction des missiles nucléaires d'une portée de 500 à 5500 km en Europe. Ce traité est le résultat d'ailleurs de la diplomatie française. C'est-à-dire qu'au moment en 1981, vous savez, c'est le moment où Mitterrand a dit les missiles sont à l'est et les pacifistes sont à l'ouest, et il a soutenu l'installation contre, à l'époque d'ailleurs, moi-même, je n'étais pas très chaud, enfin beaucoup de gaullistes traditionnels ont trouvé que c'était un peu audacieux, mais enfin en gros, il a soutenu l'installation des missiles Pershing et des missiles de croisière en Europe. Et en fait, dès que Gorbatchev est arrivé, il a dit « Bon, ben c'est vrai, on va désarmer les SS-20 d'un côté, les missiles de croisière et les Pershing de l'autre. » Et en 87, on a signé ce traité qui, en fait, a dénucléarisé partiellement le continent européen. Et voilà brusquement que, pour de multiples raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas, ce n'est pas le lieu, mais Trump dit « Ben non, ce traité, j'en veux pas, on annule. » Il dénonce le traité. Et figurez-vous qu'à l'OTAN, après la dénonciation américaine, il y a eu une unanimité pour dire qu'en gros, les Américains ont raison de dénoncer parce que c'est de la faute des Russes. C'est de la faute des Russes parce qu'ils ont développé un missile appelé Novator avec 5 lettres et 3 noms, chiffres successifs que j'ai jamais retenus. Mais enfin bon, Novator, et qu'ils ont remarqué que ça... son diamètre était un peu plus élevé que le diamètre habituel et que donc normalement il avait dépassé les 500 km. Enfin, tout ça, les Russes ont dit venez vérifier, c'est peut-être vrai d'ailleurs parce que eux-mêmes ont accusé les Américains de développer, deuxième élément d'ailleurs de tension, des missiles antimissiles dont on a abreuvé les Russes d'une argumentation disant qu'ils étaient faits contre les missiles iraniens ou contre... Bon, et puis à partir du moment où l'Iran a signé un accord de dénucléarisation, enfin de non-accès à l'arme nucléaire plus exactement, ça avait moins de sens, mais le projet a été lancé, ça partait. Et les Russes ont toujours dit, ces missiles, les plateformes, il faut une demi-heure pour remplacer un missile antimissile par un missile de croisière qui lui a vocation stratégique au-dessus de 550 km. Donc ils ont dit, bah, démontrez-nous que ce n'est pas le cas. Enfin bref, il y avait des arguments, il y avait de quoi parler, il y avait de quoi échanger, et l'OTAN avec une belle unanimité a dit non, Trump a raison de dénoncer, c'est de la faute des Russes. Ce qui montre le degré d'abaissement, si vous voulez, puisqu'ils ont fait ça au détriment de leur propre sécurité, de la sécurité des Européens. Je prendrai le même exemple, il y a une lettre de Poutine qui a été adressée en marge de l'Assemblée générale de l'ONU en disant « bon, c'est vrai, c'est embêtant, on dénonce les traités, il y a le traité antinucléaire START, etc. Tout ça, il va falloir qu'on en parle. Je propose qu'on parle de ça, qu'on gèle le déploiement des missiles européens en Europe, des missiles de portée intermédiaire, et je propose qu'on relance la négociation. » Et avec un bel ensemble, y compris avec la voix française d'ailleurs, l'OTAN a opposé une fin de non-recevoir, à la limite d'ailleurs de l'impolitesse dans la formulation, à Poutine qui avait proposé ce texte. Je dois dire que quand notre président de la République a vu ça, il a envoyé une lettre personnelle qu'il a d'ailleurs très loyalement présenté à tous ses alliés, enfin pas présenté, enfin informé, il a communiqué à tous ses alliés, mais il a envoyé à Poutine une lettre d'un ton totalement différent, en disant c'est intéressant, essayons d'en discuter, etc. Ça montre le décalage de plus croissant entre nos intérêts de sécurité, c'est-à-dire que l'Europe soit une zone hors tension, soit une zone sans armement nucléaire, sans escalade nucléaire, etc., et la politique qui est menée par l'OTAN, par subordination aux États-Unis, parce que la position des États-Unis n'est pas quand même exactement celle de l'OTAN. Donc, voilà, quant au Sud, regardons un peu, dans l'excellent article qu'a écrit le président de la République dans The Economist, dont il n'y aurait pas une virgule à changer, c'est clair qu'à partir du moment... Vous savez que dans l'OTAN, il y a l'article 4 et l'article 5. L'article 5, c'est l'engagement automatique en cas d'agression contre un des membres de l'Alliance. À ce moment-là... En fait, c'est l'engagement des États-Unis, c'est très clair. Bon. Et quand Trump lui-même dit que l'OTAN est obsolète et met des doutes sur en disant qu'il n'allait pas faire tuer les GI pour sauver Tallinn d'une invasion russe, bah, c'est clair que l'article 5 a du plomb dans l'aile. Et l'article 4, qui est encore plus important, c'est une obligation de consultation quand les alliés ont des problèmes touchant leur propre sécurité. Et donc, récemment, on en a eu 3 ou 4 où l'obligation de consultation est partie en fumée avant même d'avoir été évoquée. Donc, il y a eu l'affaire
turque, quand les Américains ont décidé de retirer leurs troupes de Syrie sans consulter les alliés, alors qu'évidemment l'équilibre du front contre Daesh, appuyé sur les Kurdes et sur tout ça, et aussi sur les forces spéciales américaines, donc brusquement s'effondrait du fait du retrait américain. On aurait pu en parler à l'OTAN, on n'en a pas fait, et on ne l'a pas fait. Et ensuite, quand par exemple la Turquie a attaqué les Kurdes qui étaient nos alliés contre Daesh, ils n'ont pas du tout demandé l'aval de. Ils n'en ont même pas parlé au Conseil de l'OTAN. Donc même l'article 4 n'a plus aucun sens. Donc tout ça, je ne cite que ces exemples, hein, il y en a d'autres. Donc il ne faut pas s'étonner qu'actuellement, brusquement, Trump se réveille, est en train de parcourir les chancelleries pour leur dire, demander que l'OTAN intervienne au Moyen-Orient. Et là, même les Anglais, c'est vous dire, commencent à dire quand même, même Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, n'est pas très chaud parce que, qu'est-ce que vous voulez, le pilier principal de l'OTAN, c'était les États-Unis, il ne remplit pas vraiment ses obligations. Bon. Et finalement, son action est plutôt nuisible pour la sécurité européenne, qui était pourtant la vocation de l'OTAN. Alors, faut-il pour autant partir de l'OTAN? Moi, j'aurais l'esprit un peu paradoxal et je vous dirais, justement parce que l'OTAN ne sert à rien, autant y rester. Parce que ça paraît un peu paradoxal, mais pourquoi? D'abord, l'OTAN, dans son caractère nuisible, n'a été que le reflet de nos propres faiblesses. L'OTAN est une organisation intergouvernementale. Un État, une voix. Il suffit qu'un État dise non et il n'y a pas d'accord et il n'y a pas de décision. Donc on peut s'étonner, là vraiment, de la raison pour laquelle l'OTAN a pris de temps en temps des décisions tellement contraires à nos propres intérêts. On peut s'étonner. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire que nous n'avons pas dit non. Les Turcs ont su parfaitement dire non. Quand on a essayé de les embêter sur la Turquie, je peux vous dire que très rapidement, on n'en a plus parlé parce qu'on a estimé que la présence de la Turquie dans l'OTAN était plus importante et qu'il fallait respecter les intérêts turcs. N'importe quel État peut faire ça. Juridiquement, il suffit de dire non. Voilà. Donc, après tout, pourquoi pas rester dans une organisation intergouvernementale où on a tous ses pouvoirs, à condition qu'on les exerce. Il y a d'autres éléments beaucoup moins importants dont on tire bénéfice à l'intérieur de l'OTAN, qui sont l'interopérabilité des forces, qui permet d'obtenir automatiquement 5 avions dont on a besoin au Sahel, puisqu'on n'a pas assez d'avions. Quand il y a des avions anglais ou des avions d'autres ou allemands qui viennent nous aider dans la lutte contre Al-Qaïda au Maghreb, les avions ils sont immédiatement opérationnels, les procédures sont les mêmes, etc. Tout ça est très commode. Hein, il y a cet aspect-là qui est utile. Il y a le fait aussi que s'agissant d'une alliance, pourquoi pas, à partir du moment où nous exerçons pleinement nos prérogatives de souveraineté, où on sait dire oui, on sait dire non, on sait négocier, etc., l'OTAN peut être un instrument utile. J'ajouterais que le retrait de l'OTAN, une fois qu'on est monté, qu'on est rentré dedans, a probablement plus d'inconvénients que d'avantages, compte tenu de ce que je viens de vous dire sur notre capacité à dire non. Ou à imprimer notre marque, pourquoi? Parce que pour l'OTAN, dans un monde bipolaire, ça avait un sens très fort de sortir de l'OTAN. Ça veut dire qu'on était hors de l'affrontement est-ouest. Maintenant, on est dans un monde multipolaire. L'OTAN est d'ailleurs envisagée de façon totalement neutre par 80% des pays arabes. À la limite, j'ai été frappé à certains moments de voir des pays africains, des pays arabes dire après tout, ce serait peut-être pas si mal que l'OTAN intervienne parce qu'il y a de l'argent, il y a des troupes et tout. Donc ça pas. La valeur symbolique de la sortie de l'OTAN, elle ne joue essentiellement que sur la Russie, même pas vraiment sur la Chine d'ailleurs, essentiellement sur la Russie. Alors ça, on peut en discuter, je ne veux pas être catégorique, mais disons qu'on peut s'interroger sur l'intérêt de sortir d'une organisation qui est en partie moribonde, comme vous l'avez dit excellemment, et qui en plus est une organisation intergouvernementale où il suffit de prendre les rênes en main et assumer son propre destin et son indépendance pour la gérer correctement. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur. Donc, malgré la double supercherie que vous avez très bien montrée, malgré le facteur de tension que peut créer l'OTAN dans les,
relations internationales, vous, pour autant, vous appelez à la prudence et à utiliser plutôt, la totalité de notre éventail d'actions au sein de l'organisation de l'OTAN. Et donc, vous n'avez pas jusqu'à la conclusion de Gabriel Robin, que vous avez cité, qui justement, après avoir fait quasiment les mêmes constats que vous, donc y compris les rapports avec la Russie, etc., sa conclusion, par conséquent, je ne vois pas très bien ce qu'un pays comme la France peut espérer de l'OTAN, une organisation inutile et nuisible, sinon qu'elle disparaisse. Alors, je vais passer la parole à Adrien Dessuin, donc, qui est auteur de La France atlantiste. Quelle est, vous, votre analyse? Est-ce que vous partagez les conclusions de l'ambassadeur? Et peut-être, question subsidiaire, quand bien même si on voudrait débrancher l'OTAN, est-ce qu'on y arriverait, vu, finalement, la pénétration de l'idéologie que vous montrez dans votre livre? Oui, effectivement, je suis moins optimiste que l'ambassadeur de Gnesti qui est à côté de moi. D'une part parce que quand on relit déjà l'entretien du président dans The Economist, on s'aperçoit bien qu'il y a beaucoup d'ambiguïté, c'est toujours le en même temps. Donc il y a un petit peu à manger pour tout le monde a un petit peu de quoi se satisfaire, mais quand on regarde, en fait, tout le monde est content. Donc quelque part, c'est qu'il y a une entourloupe. Dans The Economist, déjà, le président ne dit pas qu'il faut débrancher l'OTAN. Il dit que l'OTAN est en état de mort cérébrale et il s'en inquiète. Et d'ailleurs, il propose finalement, quand on regarde bien le texte, de le renforcer, de le renouveler, de le refonder, de le repiquer, de le réanimer, en fait. Il ne dit pas du tout qu'il faut sortir. Donc ça, c'est un premier élément d'ambiguïté. Par rapport à la Turquie, dans le même, on a beaucoup souligné dans cet entretien le fait qu'il attaque Erdogan, mais à un moment donné, on lui pose la question, mais alors est-ce qu'il faut que la Turquie reste dans l'OTAN, puisqu'elle est si contraire finalement aux intérêts de l'organisation? Et il finit, il dit, non, en fait, notre intérêt, c'est quand même de conserver la Turquie dans l'OTAN. C'est quand même difficilement compréhensible. Je pense, pour revenir un peu plus en arrière encore que 89, l'OTAN était fondée en 1949, à l'époque de Staline. Donc c'était l'URSS, mais c'était une certaine URSS. C'était une URSS particulièrement offensive, dangereuse. Ce n'était pas l'URSS déjà de Brejnev et encore moins de Gorbatchev. Et le général de Gaulle s'aperçoit si bien qu'à la mort de Staline, la donne a changé, qu'il dit à son entourage, très rapidement, avec Khrouchtchev, en fait, l'URSS est terminée, la guerre froide est terminée. Il faut déjà dépasser ce clivage, cet antagonisme, et il faut réintroduire l'URSS dans le concert des nations. Il dit d'ailleurs la Chine en même temps. Hein. Donc il a déjà 50 ans d'avance, hein, puis on pourrait même dire 70 ans d'avance, puisqu'on y est encore. Et donc il propose très rapidement à Kennedy, avec qui il s'entend bien, de refonder l'OTAN en disant, bon, maintenant il faut, les Américains, vous avez le pouvoir dans l'OTAN, mais maintenant il faut partager un petit peu la donne. Nous développons notre armement atomique et il faut donc, il propose un gouvernement trilatéral de l'OTAN. C'est refusé évidemment par les États-Unis. Et donc, conséquence immédiate, il sort du comité militaire intégré de l'OTAN. Cette situation-là, finalement, fondamentalement, elle n'a pas changé. La France est toujours membre permanent du Conseil de sécurité, elle a toujours la bombe nucléaire. Concrètement, elle n'a pas besoin de l'OTAN pour se défendre. Voilà. Contrairement aux autres petits pays européens qui ont des traditions différentes, qui étaient dépendants de grands empires, donc qui ont eu l'habitude dans leur histoire finalement de dépendre d'une autorité supranationale, ce qui n'est pas notre cas. Et on retrouve finalement en 2009 ce questionnement au moment où Nicolas Sarkozy veut rentrer à nouveau dans le comité militaire intégré de l'OTAN. Il se dit de toute façon nous travaillons avec l'OTAN, de toute façon nous sommes toujours d'accord avec les Américains, donc pourquoi finalement se passer de ce formidable outil d'opérabilité. En fait, l'OTAN est une drogue douce, c'est-à-dire qu'on s'habitue tout doucement à travailler avec les alliés, à travailler avec les Américains, et donc finalement, on ne peut plus s'en passer. Donc, puisqu'on ne peut plus s'en passer, il faut clôturer cet épisode de 1966 et redealer avec les Américains pour qu'on ait un partage entre les Américains et les Européens, qu'on ait ce fameux pilier européen de l'OTAN, et grâce à ça, la synthèse, on va pouvoir faire accepter ça aux Français, on va pouvoir effectivement partager le fardeau comme le veulent si bien les Américains. Comme ils n'arrêtent pas de nous le répéter, il faut partager le fardeau. Très bien, prenons-les au mot, partageons le fardeau, mais partageons également
le pouvoir. Et en fait, refus à nouveau des Américains, mais ils rentrent quand même et on se félicite en disant oui, mais on a eu le commandement de la transformation, qui est juste un cercle de réflexion où on a mis un général à la retraite et qui ne sert à rien. Je suis désolé. Et on a eu des postes d'adjoints dans différents états-majors. Et avec ça, on s'est dit, Jean-David Lévit arrive dans le bureau de Nicolas Sarkozy, lui dit, c'est formidable, on a le partage du pouvoir. Et là, on se rend compte quand même 10 ans après que c'est foutu du monde. C'est-à-dire que non, les Européens sont toujours au même stade, que le pilier européen de l'OTAN, c'est bidon, la défense européenne, c'est bidon, et l'OTAN... Alors certes, a réduit la voilure, certes, s'est élargi, certes, s'est égaré dans différentes opérations humanitaires ou pseudo-humanitaires dans le tiers-monde, etc. Mais concrètement, les Américains sont quand même toujours à la tête du truc. Le commandant des forces européennes des États-Unis est aussi le commandant des forces alliées de l'OTAN. Donc, on ne peut pas faire plus simple. C'est clair et net. Donc, je perds un petit peu le fil de ce que je voulais dire. Il y avait une autre solution peut-être pour répondre à cette impasse, puisqu'il faut bien, voir qu'on est dans une impasse, et qu'il y avait aussi la possibilité, bon, évidemment, de dissoudre l'OTAN en 91, mais il y avait peut-être aussi la possibilité de l'élargir, la Russie. C'est-à-dire qu'en faisant rentrer la Russie dans l'OTAN, on privait encore plus l'OTAN d'ennemis, là, mais on réglait définitivement le truc. Et effectivement, on pouvait en faire une alliance pour la mémoire, ou j'en sais rien, pour se tourner vers le Moyen-Orient, parce que c'est l'autre idée qui est proposée quand on veut pas dire que l'OTAN est contre l'Est. On dit oui, mais c'est contre le terrorisme. Alors, déjà, on ne dit pas de quel terrorisme il s'agit. Mais en fait, en général, c'est on garde face à l'Est, mais on ajoute en plus face au Sud. C'est-à-dire qu'on multiplie les fronts, parce qu'il faut bien justifier quand même, à un moment donné, les dépenses qu'ils ont faites, tous ces états-majors, ces sommets, toute cette machine, ce nouveau QG à Bruxelles. Enfin, c'est quand même phénoménal, les moyens qui sont engagés dans cette organisation. Et dernière aussi petite chose que je voulais dire avant de céder peut-être... la parole, c'est qu'on dit souvent oui, c'est finalement Trump qui a mis fin à l'OTAN, puisque Trump effectivement ne respecte pas les conditions. Mais George Bush, déjà, quand il a fallu aller en Afghanistan, il a refusé l'aide de l'OTAN. C'est quand même paradoxal, parce que c'était une alliance qui était faite pour que les Américains interviennent au profit de l'Union européenne, enfin de l'Europe, pardon. Et en 2001, c'est l'Europe qui propose son aide aux Américains et les Américains qui refusent. Et donc, en fait, on s'aperçoit depuis quand même 2001, globalement, que les Républicains sont, aux États-Unis, sont très hostiles aux États-Unis. Et qu'effectivement, ils ne veulent plus de l'OTAN. Mais pourquoi ils ne veulent plus de l'OTAN ? C'est que parce qu'ils veulent faire des économies, déjà. Et puis parce qu'ils trouvent que, effectivement, l'OTAN les gêne un petit peu, parce qu'ils sont obligés de discuter avec des Européens qui, globalement, sont très réticents à la guerre, pour certains d'entre eux, notamment l'Allemagne. Donc à chaque fois qu'il y a un coup dur, bon, bah, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Donc... avec George W. Bush, c'était eux qui devaient faire la coalition, non pas la coalition qui devait les mener. Et avec Trump, finalement, on retrouve ça. Alors, certains disent que c'est de l'isolationnisme. En fait, c'est juste un nationalisme américain qui dit on ne veut pas s'encombrer d'alliés, enfin de ces structures otaniennes, parce qu'effectivement, c'est un pays, une voix. On veut pouvoir décider vraiment tout seul. Donc, de ce point de vue-là, certains disent oui, voilà, l'OTAN permet aux États-Unis, finalement, de garder une certaine mesure, et avec les démocrates, de toute façon, on peut discuter. Donc, quand Trump partira, on pourra de nouveau faire ce pont transatlantique et faire comme avant. Ça, c'est bien pour les pays comme le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique, etc. Mais la France a une autre ambition que celle-là. C'est pas juste d'influencer les États-Unis. Moi, j'ai quelques camarades qui étaient à Kaboul ou à Bruxelles dans les structures de l'OTAN, me disaient « Oui, mais tu comprends ?» les Américains nous écoutent, et puis on arrive à les influencer, etc. Donc en fait, l'ambition de la France, c'est juste essayer d'influencer les États-Unis. Je me souviens toujours de cette parole d'Alexandre Sanguinetti, qui disait, un peu dur, mais l'atlantisme, c'est le vichisme du temps de paix. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a qu'une ambition, c'est dans, non pas la grande Allemagne, mais la grande Amérique, c'est de dire au patron, ah oui, il faudrait peut-être faire comme si, essayer de jouer au bon élève.
ça, ce n'est pas l'ambition de notre pays. Je veux dire, c'est, on a une histoire quand même qui nous oblige. On ne peut pas avoir cette ambition-là. Je vais peut-être en finir là-dessus. Merci beaucoup. J'en profite pour rappeler également ce que disait Régis Debray dans cet article. Mieux partager le fardeau, pour lui, ça veut dire financer les systèmes de communication et de contrôle conçus et fabriqués en métropole. Apporter votre contribution à l'effort commun, c'est fournir des supplétifs pour nos théâtres d'opération choisis par nous-mêmes, etc., etc. Alors, maintenant, je vais passer la parole à Caroline Galacteros. Même question, finalement. Est-ce que vous êtes d'accord avec les analyses qui ont été déroulées jusqu'ici? Et puis, que faire? Que faire dans cette situation? Peut-être que vous allez nous ouvrir les yeux. Je ne sais pas. Je vais essayer, en tout cas, de vous donner mon avis. Déjà, sur cette idée de mort cérébrale. C'est évidemment l'expression à fait Flores, mais moi, je ne crois pas du tout que l'OTAN soit en état de mort cérébrale. Ça relève un peu de la méthode Coué. C'est le wishful thinking. Voilà, on voudrait bien que l'OTAN soit en état de mort cérébrale. L'OTAN est très, très vivante. L'OTAN est très, très puissante. Mais ça n'est pas évidemment une structure intergouvernementale qui est puissante, c'est en fait l'instrument d'une vassalisation très orchestrée, méthodiquement entretenue, méthodiquement justifiée. On le voit à travers la diabolisation russe d'une manière très nette. C'est donc une organisation en fait qui ne sert pas à ce que l'on croit. Alors c'est vrai que jusqu'à la fin de la guerre froide, elle avait une utilité en miroir par rapport au pacte de Varsovie. Mais en fait, depuis, elle a complètement évolué dans ce à quoi elle sert. Alors, à quoi sert-elle? Pour moi, c'est d'abord évidemment l'instrument de contrôle par les États-Unis de l'Europe. Au plan stratégique, nous sommes maintenus dans une espèce d'état d'immaturité, d'adolescence perpétuelle. Bon. Et on voit bien avec Trump au pouvoir, on se sent en fait complètement orphelin. C'est assez terrifiant de voir que les Européens finalement lui en veulent d'avoir un discours de vérité très net sur l'OTAN. Quand il dit l'OTAN est obsolète, etc., en fait, il ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'OTAN. Il veut juste dire qu'il faut bien partager le fardeau. Mais partager le fardeau, effectivement, ça n'est pas juste payer plus pour avoir voix au chapitre, c'est payer plus. Mais rester dans le même état de dépendance, de sidération, n'est-ce pas, face aux idées américaines qu'il s'agit de suivre, parce qu'il y a toujours cette espèce de postulat qui est absolument faux, qui est une imposture, qui est de dire qu'il y a une identité d'intérêt stratégique entre les États-Unis et l'Europe. C'est faux. C'est faux. Et aujourd'hui, moins que jamais, cette identité n'existe. Donc, d'abord, instrument de contrôle politique. Et ça marche très bien. Voilà, on est stockholmisés complètement. Je reviendrai un peu sur la manière dont nos armées le vivent. Ça, évidemment, donc contrôle politique. Pourquoi? Pour éviter que l'Europe justement ne constitue un jour un entre-deux intelligent avec une masse critique stratégique. Elle pourrait le faire. Et c'était un peu l'idée effectivement mitterrandienne à la fin de la guerre froide. Elle pourrait le faire en s'alliant avec la Russie. Mais évidemment, à partir du moment où la Russie devient l'ogre, le grand méchant loup perpétuel, et où on a fait rentrer dans l'Alliance tous les anciens satellites, et ça, moi, j'y ai assisté vraiment semaine après semaine dans les années 90, c'est-à-dire il y avait une espèce de discours américain qui était porté par des tonnes de voix différentes de tous bords politiques, professionnels, etc. On avait perpétuellement ce discours. Ah oui, il faut économiquement que l'Europe accueille ces pauvres petits pays malheureux d'Europe de l'Est qui ont été tellement maltraités durant la période soviétique, c'était d'ailleurs vrai à bien des égards. Et évidemment, nous nous occupons de la sécurité. Voilà, ils rentreront et tout ira bien dans le meilleur des mondes. Donc il y a toujours cette espèce d'utopie, d'illusion, d'une unité qui est évidemment, comme vous l'avez bien expliqué l'un et l'autre, un très vaste mensonge. On sait bien comment ça se passe à l'intérieur de l'Alliance. On sait effectivement que le commandement qu'on nous a donné comme un petit hochet, la transformation ne sert pas à grand-chose, en tout cas pas à transformer l'Alliance. Alors évidemment, les armées, elles sont ambivalentes. C'est le reflet de leur,
de leur dessaisissement depuis une bonne dizaine d'années maintenant, dessaisissement des grands chefs militaires vis-à-vis de leurs effectifs, etc. Donc elles se taisent plus que jamais. Elles trouvent un interopérabilité qui est célébré comme vraiment le temple du modernisme militaire. Évidemment, beaucoup d'attrait. Parce que ça justifie des budgets, c'est pour ça, si vous voulez, s'il n'y a plus d'ennemis russes, bon, évidemment, alors qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus besoin d'argent, plus besoin d'effectifs, ça met quand même des étoiles sur beaucoup d'épaules magnifiques de nos officiers supérieurs. Ça a plein d'intérêts, et évidemment, comme l'armée est aussi la grande muette et ne se mêle pas de politique et fait ce qu'on lui dit, elle évite de se poser la question de à quoi ça sert tout ça finalement. Parce qu'en termes de résultats politiques, sécuritaires, militaires, militaro-stratégiques, les opérations de l'OTAN, alors moi j'ai vu ce qui s'est passé en 1999 dans les Balkans, c'était ma tasse de thé, enfin mon écuelle même, mais l'Afghanistan c'est un échec, l'Irak c'est un échec, enfin, où l'OTAN réussit-elle? Elle réussit à neutraliser politiquement et stratégiquement l'Europe. Ah, ça a réussi très très bien. Bon, voilà. Deuxième fonction claire et nette de l'OTAN, et là le discours de Trump est aussi souvent mal vu, l'histoire des 2% de budget militaire, alors il faut partager, ouais, enfin, c'est pour acheter des armes américaines. Hein, voilà. Pour ça, effectivement, il faut qu'on dépense de l'argent, mais pour acheter des armes américaines. Hein, pas française, pas voilà. Donc là aussi, le deal est quand même c'est un marché de dupes énorme. C'est-à-dire, on n'a pas voix au chapitre, on est là, on doit être content, on doit être souriant, on doit essayer effectivement de convaincre les uns et les autres qu'on fait des petits progrès. Et concrètement, on nous encourage et on encourage tous les pays membres de l'Alliance, évidemment, à se comporter en alliés responsables qui partagent le fardeau et qui donc font travailler le complexe militaro-industriel américain. Donc, agence de procurement, on va dire, hein, agence de fourniture d'armement, forum gentillet manifestant le travail de SAP américain depuis les années 90 sur l'Europe via l'élargissement. Voilà, on a fait rentrer tous les petits chevaux de Troie possibles et imaginables qui ont rendu absolument impossible aujourd'hui, ou en tout cas extrêmement difficile, une Europe de la défense. Alors, bon, qu'est-ce que ça nous a rapporté? Moi, je pense que le retour dans le commandement intégré ne nous a rien rapporté du tout. Je crois qu'on a perdu notre valeur ajoutée stratégique et, à l'inverse de ce qu'a dit en tout cas Jean de Glignasti, je pense que sortir du commandement intégré de l'Alliance aurait une très forte valeur symbolique. Parce que, justement, notre grand problème, c'est qu'on ne sait pas dire non. On ne sait plus ce que c'est, on ne sait plus ce qu'on est, on ne sait plus ce qu'on veut, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. On est quand même dans une espèce de bouillie stratégique, intellectuelle, enfin, d'ailleurs pas seulement dans le domaine militaire, mais... En tout cas, dans le domaine stratégique et géopolitique, on ne sait plus où on est. La France, elle n'a plus de culture, elle n'a plus de civilisation, elle ne sait plus rien. Bon, voilà. Alors, on a pourtant encore des atouts résiduels de puissance considérables. Et au sein du continent européen, on est quand même assez différent de tous les autres. Donc, on pourrait... Alors, évidemment, tous les autres nous disent, oui, enfin, l'Europe puissance, évidemment, ça veut dire, en fait, la France puissance, donc on n'en veut pas. Bon, ça, c'est un fait. Ensuite, il y a les petits chevaux de Troie. Il faut aussi comprendre leurs intérêts, leurs préoccupations sécuritaires. Il faut aussi comprendre, d'ailleurs, que ça leur apporte de l'argent d'avoir ce type d'intérêt et de préoccupations sécuritaires. Il faut arrêter, d'ailleurs, de les appeler les petits pays, parce qu'ils ne supportent plus. Enfin, bref, il y a une réforme diplomatique à faire considérable de toute notre politique étrangère, mais je pense que vis-à-vis de l'OTAN, en fait, tant qu'on reste dans l'OTAN et qu'on considère que c'est l'outil de défense des Européens, on n'a strictement aucune chance d'exister stratégiquement entre la Chine et les États-Unis. C'est fini. Moi, j'appelle ça la double dévoration, mais c'est en cours. Et on est en train de se faire bouffer par les deux bouts. Le seul allié de revers, si j'ose dire, c'était la Russie. On l'a tellement,
a jeté le gant en permanence et on lui a répondu à toutes, j'en ai évoqué quelques-unes, à toutes ces initiatives, toutes ces tentatives de rapprochement, c'est absolument, mais c'est suicidaire stratégiquement. Et là, tout ça, c'est parce qu'on est, on est fermé, on est inhibé et complètement fermé mentalement et on postule qu'il y a cette unité d'intérêt. On voit quand même pourtant bien, que ce soit sur le terrain du Moyen-Orient, c'est vraiment tous les jours que l'on peut constater combien nos intérêts sont, je dirais pas antagonistes, mais en tout cas extrêmement différents des intérêts américains. On le voit sur l'Iran, on le voit sur la Syrie, on le voit sur la Libye, on le voit partout. On le voit partout. Donc, je pense qu'il faudrait oser, oui, à un moment donné, dire que l'alliance existe. On va ni faire sortir la Turquie de l'alliance, qui est un vrai proxy américain et qui fait tout ce qu'elle fait en accord avec Washington, ni faire je ne sais quoi. Mais nous, on peut en revanche se souvenir de ce qu'on veut, se demander ce qu'on veut être et constituer à travers des coopérations industrielles peut-être un embryon d'alternative stratégique. Ça passera par des petites choses, mais de petites choses bien construites. Par exemple, on a aujourd'hui un programme de nouvel avion de combat européen. Là l'enjeu est colossal pour l'industrie européenne. Parce que derrière tout ça, c'est comme toutes les grilles de lecture, selon moi, des conflits quels qu'ils soient, c'est l'énergie, l'armement, la finance, et le combat normatif et extraterritorial. Alors ça se voit du côté américain, mais les Chinois sont en train d'imaginer des choses assez comparables. Donc on est la tranche de jambon du sandwich. Enfin, voilà. Donc est-ce qu'on a envie de rester la tranche de jambon du sandwich? Je ne vois pas pourquoi. Moi, je n'ai pas vocation à me trouver dans le sandwich. Voilà. Donc il y a encore beaucoup d'autres points qu'il faudrait évoquer, mais je crois qu'on devrait, et on a en plus tous les arguments avec le pouvoir américain actuel pour pouvoir le faire, voilà, pour pouvoir être cet embryon. Sinon, on se paye de mots, quoi. L'indépendance, la souveraineté, ça se vit, la souveraineté. C'est pas, on l'entonne pas comme ça. Ça suffit pas, quoi. Faut l'incarner. Voilà, incarnation. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, avant qu'on passe aux questions, vous aviez quelque chose à ajouter éventuellement? Oui. Il y a une question qui a été soulevée, que je n'ai pas soulevée, qui est importante, c'est l'attitude de nos alliés européens. Bien sûr, l'objectif, c'est de construire une défense européenne. Il y a ceux qui ont pensé que la chatière par laquelle il fallait passer, c'était l'entrée dans le commandement intégré. Bon, ça, je pense que c'était une erreur totale et qu'on a fait une erreur. Sarkozy a fait une erreur très grave une fois qu'il y est rentré. Y rentrer était une erreur, c'était manifeste. Bon, comme je vous l'ai dit, en sortir, ça serait un signe quand même relativement négatif et qui rendrait plus difficile, je crois, la tentative de construire un embryon de défense européenne. Il ne faut pas se faire d'illusions sur la défense européenne. Hein. Comme l'a dit Caroline, vous avez un certain nombre d'États qui n'en veulent absolument pas et pour qui la seule défense vis-à-vis de la Russie, puisque en fait ce sont d'anciennes républiques soviétiques, soit d'anciens pays du bloc soviétique, encore qu'on peut voir qu'il y a beaucoup d'États du bloc soviétique qui sont en train de changer de position. Je pense à la Tchéquie ou qui sont en train de changer de position vis-à-vis de la Russie et qui commencent à faire entendre leur voix dans les instances multilatérales. Donc penser que l'OTAN, c'est un bloc et c'est uniquement les Américains, pour l'instant, oui, jusqu'à présent, tout le monde obéit aux Américains. Mais formellement, ça pourrait ne pas être le cas. Il suffit qu'un certain nombre de pays s'expriment, dont le nôtre. Mais ce que je voulais dire, c'est que il y a un élément du calcul, en tout cas une justification qui a été invoquée pour entrer dans le commandement intégré, c'est de dire, en faisant cela, nous ne montrons pas de blanche, nous rassurons les Allemands, parce que c'est avec les Allemands qu'on
seul homme de la défense et personne d'autre, et qu'à partir de là, on va pouvoir travailler sérieusement. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais c'est sûr que si on sort de l'alliance intégrée, enfin du commandement intégré maintenant, ça sera un signal négatif pour ces pays-là. Et je ne pense pas que ce soit positif pour la construction si laborieuse et si difficile de l'Union européenne. Nous avons beaucoup plus de crédits de la défense européenne. Nous avons beaucoup plus de crédits, par exemple, à défendre que le fonds de la défense européenne de 13 milliards, théoriquement 13 milliards d'euros qu'on est en train de mettre en place, soit exclusivement réservé aux industries de défense européennes. C'est le premier geste majeur de politique industrielle et de politique de défense européenne. Parce que nous sommes en même temps à l'OTAN, on dit « Ah non, ça c'est pas l'OTAN, c'est un autre chapitre, donc pas question que les entreprises américaines installées en Europe en bénéficient. » Si on arrive à gagner cette bataille-là, qui d'ailleurs donne lieu à des discussions difficiles et contradictoires en France même, il y a des Européens qui disent « Mais attendez, c'est comme pour l'OTAN, on va financer les entreprises américaines avec ce truc-là. » Et donc... Mais pourquoi pas? Mais nous disons non, en tout cas jusqu'à présent. Donc, nous avons des arguments en étant à la fois dedans dans les deux instances. Voilà. Adrien de Suin, voilà, ajouter quelque chose. Moi, je pense au contraire que effectivement, on pourrait rester peut-être dans la structure politique de l'OTAN, qui est un forum de discussion où la France a toute sa voix, et en revanche, réparer la faute de 2009 et revenir à la position gaullienne originelle. Après, effectivement, sur l'Europe de la défense, il y a l'idée que c'est avec l'Allemagne qu'on va faire l'Europe de la défense. Et là, il faut encore revenir un petit peu dans le passé, 1963, avec le traité de l'Élysée. Mais on a déjà proposé à l'Allemagne de faire l'Europe de la défense et l'Allemagne nous a déjà dit non. Et en plus, elle l'a fait en passant par le Bundestag. Et là, avec le nouveau traité d'Aix-la-Chapelle, là, on l'a mis clairement. On l'a dit, c'est dans l'OTAN. Donc, et on sait très bien que dans l'OTAN, les Américains nous le disent tous les jours, pourquoi dupliquer ce qui existe déjà? L'Europe de la défense, elle existe, c'est l'OTAN. Pourquoi vous en voulez en faire une deuxième? Donc en fait, on tourne en rond et on se mord la queue sans arrêt. Et c'est pour ça que ça dure depuis des années. Donc il faut, à un moment donné, il faut, tant pis. Il vaut mieux, j'allais dire, la France seule que la France qui n'existe plus. Donc, on n'a pas le choix. On a noté votre conclusion. On va passer aux questions. Merci à la CGC Gambetta d'organiser ces conférences. Je ne peux pas toujours venir, mais celle-là, je ne voulais pas la manquer. Je prie d'excuser Monsieur l'ambassadeur d'avoir manqué la substance de son propos, mais j'ai imaginé ce qu'il pouvait... déclaré. Je reviens sur la double dévoration, le concept de Madame Galacteros, je voudrais qu'elle en dise un peu plus, et peut-être en regard de ce que vous avez dit, monsieur, comment dans ce monde de la montée des empires allons-nous nous organiser? C'est un sujet qui concerne l'avenir de l'Union européenne, qui concerne cette organisation qui s'appelle l'OTAN, et les ressources propres de notre pays, car je pense comme vous, monsieur, que mieux vaut être seul que mal accompagné, surtout lorsqu'on a une vision claire de ce qu'on veut faire. Quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, mieux vaut être accompagné, on ne sait jamais. S'il y a des balles perdues, ça pourrait être les autres. Mais si on sait ce qu'on veut faire, c'est-à-dire redonner de la puissance, de la substance à notre pays... qui est un pays dont je rappelle qu'il a une singularité, c'est que c'est un pays politique, donc qui est construit sur le contrat civique. Ce n'est pas un pays ethnique, ce n'est pas un pays anciennement opprimé, c'est un pays qui a construit son histoire et sa géographie sur la souveraineté. Donc, et qui a donné à parler pour le reste du monde, donc qui est universellement écouté. Donc s'il se dissout,
comme cela est parfaitement possible dans l'histoire, il y a des disparitions. Il est parfaitement possible que la France disparaisse. D'ailleurs, c'est le programme de certains de nos dirigeants. Ça existe. Ils le disent pas. Parfois, ils l'affirment presque. Ce serait mieux, finalement, d'avoir des régions et l'Union européenne. Mais à quoi bon encore avoir un pouvoir en France, une démocratie, tout ça sert à rien. Passons aux choses sérieuses. Donc, la question que je me pose, c'est dans la montée des empires, donc des risques d'affrontement, quelle est votre vision de la stratégie ? Et ça renvoie finalement à une question que peut-être on aurait aimé vous entendre exposer avant de répondre à la question de l'OTAN. Comment voyez-vous les muscles que nous devons reconstituer ? Par quoi faut-il commencer ? J'ai mon opinion sur l'Union européenne. Et c'est pour ça que raisonner à l'intérieur d'un logiciel épuisé, qui ne donne plus... de la performance, on pourrait parler ce mot managérial affreux, mais enfin qui ne produit plus d'effets positifs ni pour les Européens ni pour la France, parce qu'on pourrait faire le bilan de l'adhésion à la zone euro. Je suis allé faire une conférence à Princeton, je suis tombé sur l'ancien gouverneur de la Banque centrale indienne qui tient une chaire à Princeton entre deux prix Nobel sur la question de l'euro. C'est son job, à plein temps avec son labo de recherche. Il a dit, vous avez commis une erreur de faire cette monnaie, mais c'est irrémédiable. Vous ne pouvez plus vous en sortir. Donc comme on ne peut pas s'en sortir, comment fait-on dans les autres champs de l'action publique et politique ? Puisque l'euro a un coût de sortie tellement élevé, pour ça que tous ceux qui professent le Frexit, etc., pour moi, me choque parce qu'ils n'ont pas mesuré les conséquences de ce qu'ils disent. Le Brexit anglais, c'était de la délivrance juridico-politique. La sortie de l'euro à froid unilatéral est une destruction de PIB à hauteur, j'avais fait chiffrer quand j'étais à Bercy, à hauteur de 12%. La crise, c'était moins 3, on était à moins 3. Donc moins 12, ça fait 5 millions de chômeurs d'un coup. Donc voilà, il faut juste avoir ça en tête. Donc ça fait partie des éléments de la négociation du cœur du réacteur européen, comment retrouver des flexibilités dans la gestion monétaire et budgétaire. Mais tout le reste, comment voyez-vous les choses par rapport à la montée des empires ? Alors, je vais essayer en tout cas, oui, de vous donner mon évaluation, mon sentiment là-dessus. Alors, j'emploie le terme de double dévoration, parce que ça me semble très, très illustratif de ce qui est en train de se passer. Et ce qui est en train de se passer, on nous parle beaucoup de la crise de la gouvernance mondiale, et j'en parle d'ailleurs moi-même, du multilatéralisme qu'il faudrait sauver, etc. Mais en fait, on n'est plus vraiment dans ça. On est dans la constitution d'un nouveau duopole qui va être autour de l'Amérique et de la Chine, mais en dessous, c'est un peu comme disaient des proches, le gratin et les pâtes en dessous, hein, voilà, c'est dans les réceptions de sous-préfecture, eh bien, les pâtes en dessous, elles ne sont plus tout à fait d'accord pour se planquer et pour s'aligner. Voilà. Et donc, il y a des modèles de puissance alternative ou de puissance régionale importante qui sont entrés dans une espèce de marché, finalement, selon les sujets, selon les domaines, selon les zones, en se disant, eh bien, on va prendre le meilleur de ce que peut nous offrir soit cet empire américain occidental un peu déclinant, mais qui se bat comme un beau diable pour survivre, soit cet empire chinois qui a une autre forme d'impérium, mais enfin... qui avance méthodiquement aussi et à sa manière. Et donc, on va essayer de survivre entre ça. Là, nous, on est l'Europe au milieu. Et moi, je crois beaucoup que la survie et même la renaissance doivent passer par deux choses. Un, la souveraineté. Parce qu'en fait, l'un des problèmes de l'Europe, c'est qu'on passe notre temps à nous expliquer que la souveraineté, c'est mauvais. La souveraineté va tuer l'Europe. Les nations européennes doivent renoncer à leur souveraineté pour être fortes toutes ensemble. Enfin, un ensemble de faibles, ça n'a jamais fait un fort. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est mythique, c'est un truc. C'est fantasmatique. C'est bon. Donc, il faut
de mon point de vue, commencer par finalement énoncer ce qui peut sembler des paradoxes, mais ce qui n'en est pas, c'est-à-dire que la souveraineté est un facteur de cohésion politique européenne et pas un facteur de dilution. Et que donc, le discours qui consiste à dire « Oh, les États, les nations, les cultures, tout ça... » Bon, vous êtes un gros ventre mou, riche, repu, soyez contents, vivez bien, faites-vous bouffer les uns les autres par les grands conglomérats qui vous attrapent et puis vous vous laissez faire, de toute façon. Donc c'est tellement simple. C'est un peu le safari, quoi. C'est une espèce de grand safari de chasse. Donc on doit, à mon avis... remettre vraiment la souveraineté, mais pas une souveraineté au sens défensif, frileux, angoissé. C'est une belle chose. Et d'ailleurs, les grands empires, tous, que ce soit la Russie, l'Amérique, la Chine, l'Iran, la Turquie, tout ça, c'est des puissances extrêmement souveraines, extrêmement patriotiques, et qui savent le distiller, j'allais dire verticalement, parce que ça aussi, l'horizontalité nous a tués, donc verticalement, leur population, et irriguer la population d'un certain sentiment d'appartenance. Nous, on a tout cassé, on a cassé tout ça. Et le deuxième sujet, qui me semble très important, mais c'est de retrouver la dimension continentale de l'idée d'Europe, et donc d'aller vers l'Eurasie, c'est-à-dire que l'Europe en elle-même, aujourd'hui l'Union européenne, effectivement, si j'ose dire familièrement, on est très mal barré. En revanche, à l'échelle de l'Eurasie, et d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est une obsession géopolitique américaine, Brzezinski l'a écrit candidement dans son merveilleux petit bouquin qu'il faut absolument lire, Le Grand Échiquier, il y a plus de 20 ans, l'idée que à l'échelle, enfin, l'Eurasie, c'est le centre du monde, c'est la cible privilégiée des empires. Donc, il faut créer à l'échelle de l'Eurasie, donc, j'allais dire, du Portugal à Vladivostok, il faut retrouver cette puissance continentale qui sera le nouveau socle d'une renaissance. Et ça ne peut se faire qu'avec la Russie. Voilà, c'est tout simple, c'est tout bête, c'est tellement évident. Et la Russie elle-même, elle est en train de structurer très intelligemment, très finement, tout un réseau institutionnel, à la fois économique, sécuritaire, industriel, technologique, à l'échelle de sa partie de l'Eurasie. Et il n'y a aucun lien entre toutes ces institutions et l'Union européenne. On fait comme si ça n'existait pas. Et moi, je prétends qu'on est en train de faire la même erreur avec l'Eurasie que celle qu'on a faite avec les nouvelles routes de la soie. C'est-à-dire, moi, j'en entendais parler depuis quelques années, et j'entendais, y compris certains de nos éminents, très éminents diplomates, mais je veux pas du tout... Enfin, certains, quoi. Bon, bref, d'autres disaient les routes de la soie, mais chinois, mais c'est du flan, tout ça. Mais de toute façon, l'Europe ne laissera pas faire. L'Europe, rien ne peut se faire sans nous. Ça ne marchera pas. Les Chinois n'auront pas l'argent. Les Chinois n'auront pas le temps. Les Chinois n'auront pas la patience. Bon, d'accord. On est en 2020. C'est fini, là. C'est fini. C'est les soldes. Donc, on est en train de vendre à l'encan, par appartement, tout notre patrimoine. Voilà. Et pas qu'aux Américains. On est en train, vraiment, c'est la grande braderie. Donc, on doit absolument se reprendre en main et nous-mêmes nous projeter vers cette partie de l'Eurasie qui est en train de se construire autour de l'Union économique eurasiatique, autour de l'OCS, autour du pacte de sécurité. Tout ça est fait à l'initiative de la Russie et intègre, ça va très loin, ça va jusqu'à l'Inde, ça va jusqu'à l'Iran pour certaines des institutions, ça implique et agrège toute l'Asie centrale,
tous les stands, ce qu'on appelle tout le, mais c'est un ensemble colossal avec lequel l'Union européenne doit absolument prendre langue et avec lequel la France, évidemment, parce que c'est quand même ça qui me préoccupe moi aussi, plus que tout, la France doit absolument se projeter, parce que d'abord il y en a d'autres qui y ont pensé, les Allemands ils ont déjà bien compris, les Italiens aussi, voilà. Donc nous on doit nos entreprises, nos savants, nos industriels et nos politiques, bien sûr, doivent comprendre que c'est la future dimension de la survie française et européenne. C'est l'Eurasie dans son ensemble, à mon avis. Et c'est ça qui nous permettra d'échapper, ou en tout cas de survivre, à ce processus de double dévoration.